Comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle fait dans ce village et quelle est, parce que j'ai l'impression qu'elle a une fonction particulière. D'accord. Da fay laté lan nga tuddou ak lan nga ci village bi ak loy liggéey. Man Khadigay la tuddou. Rab la liggéey. OK. Moi je liggéey. D'accord. Bah, elle dit qu'elle s'appelle Khadigay, elle fait la vannerie. C'est elle la femme du chef de village. D'accord. Et elle habite ici depuis tout le temps? Néon d'Arfi nga dek bu yag. Oui, là depuis quand? OK. Elle habite ici depuis qu'elle est toute petite. D'accord. Donc, voilà. Elle a passé toute sa vie ici. Toute sa vie ici. Mm-hmm. Et il n'y a jamais eu d'électricité dans ce village? Néon a bengen fi ci kiwe bu leg musul am courant. Fini. Dédit. Voilà. Donc ici il n'y a jamais eu de courant d'électricité ici. D'accord. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de courant? L'autre fille a amul won courant. Ah, bëgg nañ ko rek ba légui ñang ci dox rek. Bah, elle dit que ici la population, tout le monde veut avoir l'électricité, mais malheureusement il y a pas le réseau de la Senelec n'est pas venu jusqu'ici. Et si aujourd'hui il y avait le réseau de la Senelec qui arrivait ici, est-ce qu'ils auraient assez d'argent pour pouvoir payer l'électricité? Néna, est-ce que vous courant mignon ici, courant Senelec, vous n'y avez fini? Est-ce que dégaine madame Khalis pour me la faire une facture? Courant. Nah, des charges. Hein? Est-ce que dégaine madame faire facture pour courant mignon? Vous êtes courant mignon. Ah, waouh, néna madame faire facture. Voilà, elle dit que oui, elle que les villageois pour ñu ëndé li neex na trop fontane nañ sax deug yalla lér na nañ. Voilà, elle dit que les villageois pourront payer l'électricité même si ce sera très difficile. Donc du coup, les villageois sont très contents des kits solaires qui sont là. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé d'avoir la lumière dans 8 maisons du village? Légui néna bañu installer affaire ici ba légui. Lan la changé ci yeen? Ah, contente ci big trop. Dow ñu tok ci guddi ci biti bi guddi té légui bu guddé ñang fi tok di waxtaan ba esul heure tuddu jot ñu dogo dem teddi. D'accord. Ndax daaw ñu tok ndax lendeum gi. Contente nañ ci trop mom. D'accord. Elle dit que quand on n'avait pas installé les kits solaires, la nuit, les enfants avaient peur même de sortir. Les femmes ne sortaient pas. Mais depuis qu'on a installé les kits solaires, tout le monde s'est réuni ici dans la cour, en train de jouer, en train de travailler. Les enfants qui étudient peuvent étudier maintenant. Donc ça a changé carrément leur mode de vie la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez imaginer qu'on enlève le kit solaire et que vous n'ayez plus la lumière du tout encore? Ok. Léna, est-ce que tu es venu rek dindi wat affaire yep? Est-ce qu'il y a une dingue nango? Elle dit que là, elles n'accepteront pas du tout qu'on enlève les kits solaires. Quitte à ce qu'on se batte, même. Quitte à ce qu'on se batte. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mm-hmm. Ok, super. Super. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Hein, okay.